Pensez à combien d'argent vous avez, par exemple, ou l'argent que vous aimeriez avoir, et demandez-vous, est-ce que vous seriez capable de gérer cette chose dans le concret, dans le réel, en équivalent matériel de valeur. Voilà. Vous allez être surpris. Et si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous demandez à quelqu'un, en l'occurrence un banquier par exemple, vous le rémunérez pour qu'il s'occupe d'une valeur abstraite qui est votre propriété.